Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors cette année, on va commencer notre première leçon de grammaire, c'est les types de phrases. Mais avant de commencer, on va voir qu'est-ce que ça veut dire une phrase. Une phrase, c'est un groupe de mots qui a un sens. Et bien sûr, une phrase commence toujours par une majuscule et se termine par un point. Alors regardez les enfants, nous avons un dialogue ici. Le premier personnage dit « Où ai-je déposé mes clés ?»« Elles sont ici. »« Merci, tu m'as rendu service. »« Range les miens la prochaine fois. » Alors regardez, comme vous voyez, la phrase toujours commence par une majuscule et se termine par un point. Ce point peut être point d'interrogation. La phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Ce point peut être un point d'exclamation, comme vous voyez là. La troisième phrase, toujours la phrase commence par une majuscule et se termine par un point simple. La dernière phrase, la phrase commence par une majuscule, vous voyez R en rouge, et se termine par un point simple. Très bien. Maintenant, on va voir qu'il y a quatre types de phrases dans la langue française. Alors, nous avons la première phrase, la phrase interrogative. À quoi sert cette phrase interrogative? Elle sert à poser une question. Je veux demander quelque chose. Alors, je vais poser une question. Je vais interroger. Je vais questionner. Bien. Alors, cette phrase, elle se termine toujours par un point d'interrogation. Vous voyez, les enfants? Point d'interrogation. Exemple. Où ai-je posé mes clés? Point d'interrogation. Bon, alors la deuxième phrase, ou bien le deuxième type de phrase, c'est la phrase déclarative. À quoi sert la phrase déclarative? C'est la phrase qui permet de donner une information pour raconter quelque chose, pour annoncer quelque chose, une nouvelle par exemple. Elle se termine toujours par un point simple. Exemple. Elles sont posées ici. La phrase se termine par un point. Troisième type de phrase, c'est la phrase exclamative. Alors, la phrase exclamative, c'est pour exprimer un sentiment. Sentiment de joie, de colère, de peur, de surprise, d'admiration, etc. Elle se termine toujours par un point d'exclamation. Exemple. Merci, tu m'as rendu service. Ici, vous voyez, c'est remerciement. Là, maintenant, quatrième type. Le quatrième type de phrase, c'est la phrase impérative. On peut l'appeler aussi injonctive. Elle sert à donner un ordre ou bien un conseil, une recommandation ou bien une interdiction. Elle peut se terminer par un point d'exclamation ou bien par un point simple. Exemple, fais attention, point d'exclamation. Et le verbe, regardez, est à l'impératif. Le verbe est à l'impératif. Le verbe n'a pas de sujet. Le sujet est absent. Et ici, elle se termine par un point d'exclamation. On peut avoir, maintenant par exemple, « Range-les mieux la prochaine fois. » La phrase se termine par un point. La même chose ici, le verbe est à l'impératif. Alors, comme vous voyez, ce sont deux phrases qui sont impératives. Alors, le verbe est à l'impératif. Le sujet est absent. Ici, on parle à quelqu'un.
La même chose ici, regardez, le verbe est à l'impératif, le sujet est absent, il n'apparaît pas, mais il est sous-entendu. Bien, et la phrase se termine par un point d'interrogation, ou d'exclamation plutôt, ou un point simple. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que je dois retenir? Je dois retenir que la phrase ou les types de phrases, il y a quatre. Ces quatre types sont la phrase déclarative, exemple par exemple, tu écris bien. Ça, c'est une phrase déclarative. Je déclare quelque chose. J'ai observé quelque chose et je dis le résultat de mon observation. Nous avons aussi la phrase interrogative. Je vais voir avec la même phrase. Là, tu écris bien. Je peux dire tu écris bien. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé une question. J'ai changé l'intonation. Tu écris bien? C'est une phrase interrogative. Elle commence par une majuscule et se termine par un point d'interrogation. Maintenant, nous avons le troisième type. La phrase exclamative. Alors, avec la même phrase, mais maintenant, je vais m'exclamer. Tu écris bien. Et le point d'exclamation. Le dernier type, c'est la phrase injonctive ou bien impérative. Alors maintenant, je vais donner un ordre ou bien un conseil. Je dis, rappelez-vous que la phrase impérative commence par un verbe à l'impératif. Alors, écris bien. Là, et je termine par un point. J'espère que vous avez bien compris. À la prochaine, Inch'Allah.